C'est une femme qui entre dans un sex shop, elle en prend un bleu, un vert, un rouge, et la caissière les passe en caisse, elle dit le bleu et le vert ça va, mais le rouge faut que je demande au patron, c'est extincteur. Voilà, bon, elle passe bien, elle est familiale. Tes textes sont bien écrits, je trouve. Quel est ton secret? Oh, merci beaucoup. C'est marrant parce qu'il m'a fallu du temps avant d'accepter ce compliment. Je mettais pas mes textes, j'imprimais pas mes textes dans les livrets de mes albums parce que je trouvais que ça voulait dire qu'en gros j'étais ultra fier de mes textes et donc je le faisais pas. Et après je me suis rendu compte que ça aidait simplement les gens à pouvoir comprendre les textes. Donc pour le prochain je l'ai fait. Et je suis plus à l'aise avec le fait que j'écris pas si mal. Mais en fait, c'est peut-être parce que c'est pas très chouette d'écrire. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas vraiment un plaisir. Mais c'est peut-être parce que je me casse trop la tête ou je sais pas. Mais en même temps, je crois que j'ai comparé ma façon d'écrire avec celle d'Orelsan. Parce que souvent, quand je bloque sur mes textes, je l'appelle en fait. Et c'est ce que j'ai fait pour Multitude. Et en fait, il est venu et il m'a montré la façon dont il écrivait. Et franchement, c'est vraiment impressionnant. Enfin, lui, il va vraiment loin, quoi. Bark at your dog. Allô? Salut, ça va? Je m'appelle Orelsan. Waouh, trop bien! Eh, ma soeur, elle est trop trop fan de toi. Ah, c'est marrant. Et tu pourrais lui envoyer une dédicace en vidéo, s'il te plaît? Ça lui donnerait trop de la force, elle est à l'hôpital pour un cancer. Ah, c'est marrant. Salut les amis, je suis avec Philippe. On vient de faire une petite séance de sport avec... Boum! En direct du temps, sens de musculation. On va faire développer couché ensemble, des tractions. On va transpirer. C'est parti! C'est parti!